La chronique du jour. La chronique du jour. C'est Rome Carlos. Bonjour. À quoi tient-elle la mise en place d'un parti, le Parti africain du savoir, à de la sagesse, à un coup de folie? Le savant romain Pline l'Ancien, il y a près de 2000 ans, parlant de notre continent, disait « Africa semper a liquide novi ». De l'Afrique, il faut s'attendre toujours à voir jaillir quelque chose de nouveau. Si tels nous étions vus hier, pourquoi devrait-on nous voir autrement aujourd'hui? Un parti africain du savoir a le mérite de nous situer dans la vision de Pline l'Ancien. Mais avant toute chose, le savoir, qu'est-ce? Google répond. Ensemble de connaissances ou d'aptitudes reproductibles, acquises par l'étude ou par l'expérience. Pour les Peuls, le savoir est un champ, mais s'il n'est pas labouré ni surveillé, il ne sera pas récolté. Ce à quoi les Malinkés ajoutent, le vieillard n'a pas acheté le savoir, il a vécu longtemps. De ce florilège de définitions et de pensées, que retenir? D'une part, que le savoir, en tant qu'acquisition de connaissances et d'aptitudes, est de l'ordre d'une valeur ajoutée. Il enrichit. D'autre part, que le savoir est un processus continu et qualitatif. Comme dans la symbolique de la termitière, la terre ne cesse de s'ajouter à la terre. Enfin, que le meilleur allié du savoir, c'est le temps, qui a la grâce de vivre longtemps, a des chances de beaucoup apprendre. Comme on le voit, le savoir est l'une de ces armes miraculeuses dont rêvait Aimé Césaire pour nous sortir de nos prisons, pour nous libérer de nos chaînes. Des prisons où s'étouffe l'espoir d'une vie meilleure pour chacun de nous, l'espoir d'une renaissance pour tout le continent africain. Voici cinq voies de libération et d'accomplissement par le savoir. Apprendre pour autant de points clés du programme d'action du Parti africain du savoir. 1. Savoir qui nous sommes. La quête de l'identité est au cœur de la question du développement. Feu le professeur Joseph Kizerbo a écrit « On ne développe pas, on se développe ». Fin de citation. Interrogeons-nous. Le développement que nous réclamons à corps et à cri concerne qui? S'adresse à qui? Est destiné à faire le bonheur de qui? Socrate, en un tour de mots, éclaire notre lanterne. Connais-toi toi-même. 2. Savoir où nous allons. C'est connu, et cela reste gravé dans le bloc dur du bon sens, il n'est point de vent favorable pour qui ne sait où il va. Fin de citation. Quels objectifs poursuivons-nous? Répondre à cette question ne relève ni du loto ni d'un jeu de pronostics. Un choix est à faire, en toute conscience, en toute responsabilité, en toute connaissance de cause. La moindre erreur est fatale, elle se paye cash. 3. Savoir pourquoi nous y allons. Ni une promenade de santé, ni une balade touristique. Nous avons affaire à un parcours de vie, à aborder avec des objectifs clairs, sous-tendus par des motivations fortes. Par motivation, nous entendons les motifs qui justifient et valident notre choix. La confiance en soi,
la confiance aux autres, la volonté de former un cerveau collectif, parce que c'est ensemble qu'on est plus fort, voilà le cocktail gagnant. 4. Savoir ce qu'on va y faire et savoir bien le faire. Napoléon est catégorique. La plus grande immoralité, a-t-il dit, c'est faire un travail qu'on ne sait pas. S'investir dans une mission exige de dérouler tous ses atouts, connaissances, expertise, expérience, dans la perspective de résultats probants et convaincants. Discipline et rigueur, méthode et organisation, un sens moral et éthique affirmé, voilà les ingrédients du succès. 5. Savoir s'auto-évaluer, savoir capitaliser l'acquis, savoir le transmettre dans l'esprit de raffermir la chaîne des valeurs gagnantes. Il y a au bout durée et qualité, avec la satisfaction d'avoir fait incarner un rêve, après lui avoir donné corps et forme. Voilà à grands traits le programme d'action du Parti africain du savoir. Que nous reste-t-il à faire? Apprendre notre carte de membre de ce parti, pour le meilleur. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.kfm.com.